La France a observé une minute de silence au troisième jour de son deuil pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au camion fou à Nice le soir de la fête nationale. Ceci intervient alors que le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que la sécurité intérieure a été renforcée, tout en insistant qu'il n'existe pas de risque zéro. Une minute de silence au troisième jour de deuil pour la France, alors que François Hollande rend hommage à ceux qui sont morts lors de l'attaque du week-end dernier à Nice. Mais les hommes politiques français sont sous pression pour agir. Nice a été la troisième attaque terroriste en France en un an et demi. Une des réponses a été d'appeler en renfort 12 000 policiers de réserve. Mais même ainsi, le risque de futures attaques demeure. Mais bien entendu, l'ensemble des moyens que nous mobilisons face à des terroristes qui veulent frapper l'Europe et la France ne garantissent pas le risque zéro. Dire cela, c'est dire la vérité aux Français et regarder la menace avec lucidité. L'ancien président Nicolas Sarkozy a ajouté sa voix de ceux qui demandent des mesures préventives plus fortes, dont l'expulsion des musulmans radicalisés et le bracelet électronique pour ceux qui présentent un risque de radicalisation. D'autres estiment qu'un nouvel état d'esprit est requis. Ce qui aurait pu être fait, j'ai peur qu'à présent il ne s'agisse pas de la manière d'arrêter ces choses, mais de ce que le gouvernement français peut faire ou devrait faire en termes de minimisation des risques. Pas nécessairement en termes de combat contre ceux qui cherchent des identités terroristes, mais en termes de sécurité publique. Cela signifie des changements publics significatifs dans la vie de tous les jours. Place de la République, un moment pour les riverains pour réfléchir à la récente attaque. Nice et Paris sont unis dans le deuil. Bien sûr, ça nous a rappelé et ça a ravivé la blessure qui s'est ouverte en janvier, qui s'est ouverte ensuite pour le Bataclan. On a attaqué des citoyens, des concitoyens, ils sont nos alter ego. Donc aujourd'hui, on a fait la promesse avec 17 plus jamais de leur rendre hommage. L'émotion est grande en France. C'est un pays qui se débat pour accepter les récents événements et qui est terrifié à la perspective d'une prochaine attaque imminente. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas de la dernière. J'ai peur que nous en connaissions d'autres. Ce n'est pas une prévision claire ni optimiste, mais j'ai peur que c'en soit une réaliste. La France souffre, mais fait aussi face à un futur incertain.